Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'Eco Show 15, euh, un produit que j'ai commandé euh, il y a à peu près un mois. Maintenant, il y a trois mois de délai d'attente pour obtenir euh, cette enceinte Eco Show. Alors, une enceinte un petit peu différente, puisque vous allez voir que c'est pas exactement le même concept euh, qu'on avait sur les échos précédentes. On va passer très vite sur le déballage, il n'y a pas grand-chose à voir. Et puis, côté prix, on est à 249 euros. Et contrairement à la plupart euh, des, des enceintes, alors je pense aux échos dot de quatrième génération ou même avant, euh, généralement, Lorsqu'Amazon lance un produit très rapidement, alors c'est souvent d'ailleurs à la rentrée que les produits sont lancés, et très rapidement, pour le Black Friday, on a des enceintes qui dégringolent au niveau prix. Là, je ne pense pas que le prix dégringole. Je pense qu'on va rester à 249 euros pendant un bon moment. Alors ici on a un socle pour accrocher euh, l'enceinte le, au mur. Alors je ne sais pas si je dois l'appeler enceinte cadre, euh, on ne sait pas trop ce que c'est, puisque effectivement d'ailleurs c'est plus un cadre numérique que euh, qu'autre chose. Donc on a quelques notices ici, on a euh, l'alimentation, voilà, donc c'est propriétaire comme d'habitude. Euh, et puis quelques notices et euh, donc quelques outils pour l'installation au mur. A propos des boutons maintenant, ça se passe en haut à gauche. Alors on a ici euh, un bouton qui est très agréable d'ailleurs au, au toucher et au déplacement. Euh, un bouton qui permet de cacher la caméra. On a le bouton mute pour le, le volume et puis le volume moins, le volume plus. Bref, si vous connaissez Echo Show, vous ne serez pas dépaysé. Au premier allumage, ça va soit vous reconnaître ce qui est mon cas, ou soit vous demander de créer un compte, mais c'est pas très compliqué, on rentre le Wi-Fi, etc. On suit les étapes. Alors, première impression, c'est assez mastoc. Hein. Le produit pèse 2,2 kg, 2, 2,3 kg. On a donc une diagonale de 15, un petit peu plus de 15 pouces d'ailleurs, d'où le nom EcoShow 15. Euh, c'est assez grand, c'est assez lisible. Euh, par contre, si vous le mettez sur un mur, vous allez voir que ça fait un petit peu petit. Finalement, je pense que c'est mieux de le poser. Et pour ça, il y a un support qui coûte 30 euros. Alors, je ne l'ai pas acheté lors de l'achat, mais je l'ai commandé après Puisque je me suis rendu compte que c'était complètement euh, indispensable. Il y a des différences avec les autres échos chauds, c'est ce qu'on va voir. Par contre, on retrouve euh, la plupart des gestes. Hein. Si on glisse de haut vers le bas, on va afficher ce menu. Donc, on a euh, le retour à l'accueil, les, les paramètres, etc. Le mode ne pas déranger. Euh, et puis, on a alors juste ici. Voilà, je retourne à l'accueil. Et donc là, c'est là où on se rend compte que euh, bah, des différences avec les échos chauds de, de, de précédentes générations. Avant de passer au widget, un petit mot sur les reflets. Regardez, donc là, j'ai filmé volontairement avec de la. Il y a quand même pas mal de reflets, euh, le, le traitement n'est pas génial à mon goût, euh, donc euh, sachez que si vous êtes amené à voir ce type de produit dans une salle bien éclairée, vous allez avoir euh, ces quelques contraintes. Alors, l'intérêt de ce produit, c'est sa nouveauté ce sont les widgets. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on retrouve des widgets qu'on va connaître la météo, des, des trucs assez assez standard comme les notes. On va pouvoir donc les modifier, en ajouter. Et moi, euh, en fait, ce qui m'intéressait dans ce produit là, c'est de m'en servir un petit peu comme euh, centrale de. Domotique, pouvoir facilement accéder à, à mes accessoires euh, alors ici on peut toujours hein, on, on va dans, dans la partie maison connectée on a accès à tous les accessoires et j'aurais bien aimé que euh, sur l'écran d'accueil justement on puisse avoir des sortes de raccourcis ça fait longtemps euh, que, que je vous parle de ça euh, et j'attendais ça avec impatience je me suis dit tiens ça c'est exactement le produit euh, qu'il faut et eh bien non on a simplement euh, ce type de widget et côté euh, maison connectée franchement on fait pas grand chose et pour ajouter des widgets ça se passe juste ici on a à peu près une douzaine donc voilà ce que vous allez pouvoir retrouver comme widget on a bien sûr euh, donc euh, un widget maison connectée mais vous allez voir que euh, malheureusement il n'est pas abouti euh, comme, comme je l'aurais espéré euh, mais bon Peut-être que ça viendra dans une version ultérieure. J'aurais vraiment aimé également qu'on puisse sortir les widgets de la page widget, tout simplement les mettre sur l'écran d'accueil sous forme de petites bulles par exemple, pour un accès ultra rapide. Ça aurait été pas mal. On peut alors modifier les widgets, en tout cas les supprimer ou tout simplement les modifier de place. Donc comme ceci. Voilà, je peux donc les mettre à d'autres endroits. Donc, ça c'est l'intérêt principal de ce produit. Et puis on va retrouver évidemment toutes les fonctions qu'on a sur les autres Echo Shows, c'est-à-dire bah, la partie communication avec les annonces, le drop-in. Pour rappel, le drop-in, c'est la possibilité de parler d'enceinte à enceinte et les annonces, de lancer une annonce comme l'interphone chez iOS. à propos de l'audio maintenant, on va retrouver exactement les mêmes services que sur les enceintes éco-shows. Euh, alors sachez, donc moi je suis sur Apple Music, donc on a des, des petites différences suivant si vous êtes à, sur Amazon Music ou sur Apple Music. Avec Apple Music, vous n'avez pas les paroles, contrairement à Amazon Music. Euh, bon, il y a des petits détails comme ça, mais ça marche évidemment sans aucun souci. Euh, côté après-qualité audio, on a quand même un son relativement chaleureux. Bon, moi, je, bon, il n'est pas ultra puissant, mais on a quand même quelque chose de correct pour sonoriser une petite pièce. Euh, on a deux haut-parleurs qui se trouvent en fait sur les côtés, à l'arrière de, voilà, juste ici, à l'arrière de, de, de l'enceinte, euh, deux haut-parleurs large bande de 41 mm. Donc vous l'avez compris, hein, c'est très correct. On n'a pas, évidemment, c est, c est, on peut écouter de la musique, on peut regarder un film avec ça, on peut regarder la télé, il a pas de problème, un podcast, écouter la radio. Je pense que c'est d'ailleurs fait pour ça. Maintenant, si vous voulez vraiment écouter de la musique en tant qu'amateur de, de musique, bah, faut passer votre chemin. C'est pas du tout le bon appareil. À propos des services de streaming vidéo, on a évidemment Amazon Vidéo qui est disponible, Netflix... On a Arte, on a YouTube, ça tombe bien d'ailleurs, on a TikTok qui est juste ici, et puis on a Molotov, alors Molotov, c'est pour regarder la télé, vous le savez, depuis un petit, un petit moment maintenant, ça devient un peu compliqué de regarder les chaînes, puisque les chaînes du groupe TF1 et celles du groupe M6 ne sont plus disponibles dans l'offre gratuite, mais en tout cas, donc c'est toujours possible d'utiliser Molotov ici. Alors... Côté, euh, j'en profite hein, pour parler un peu de fluidité, de réactivité de l'écran. J'ai lu des trucs qui disaient que bon, l'écran était relativement fluide. Personnellement, moi je trouve qu'il y a encore des, des, des accros, c'est pas vraiment génial. Euh, sur, pas que sur TikTok, hein, un petit peu partout. Il faut vous y reprendre des fois plusieurs fois pour y arriver. Euh, en tout cas, quand vous avez l'expérience d'un iPad, c'est pas du tout euh, de la même qualité. Ensuite on retourne dans les paramètres donc on a les routines que vous connaissez et puis la partie cadre photo alors c'est ce que vous avez vu voilà c'est juste ici c'est ce que vous avez vu au départ on va pouvoir voir donc des photos qui défilent ça se choisit ça se paramètre et puis tout, tout est 15 secondes vous avez une photo c'est assez sympa je trouve que la qualité de l'écran en tout cas la luminosité est correcte après on va faire un test lorsqu'on se met un peu de côté c'est un petit peu moins bien. Et je reviens maintenant sur ce qui m'a poussé à acheter ce produit, c'était la partie connectée domotique. J'imaginais donc quelque chose d'assez sympa pour piloter ces, ces, ces périphériques connectés. Euh, c'est pas le cas. Alors on a bien un widget, c'est ce que je vous disais qui concerne, qui concerne en fait les favoris des, des appareils connectés. Vous le savez hein, depuis l'application Alexa, on va pouvoir ajouter des favoris, euh, des, des, des accessoires favoris en fait, qu'on va retrouver juste ici. Donc ça c'est pas mal. Hein. C'est un début. Je vais pouvoir gérer mes éclairages. Alors Déjà, tous les périphériques n'apparaissent même pas ici. Il y en a, étrangement, euh, j'ai deux caméras de la même marque, il y en a une sur les deux, et c'est des rings en plus, hein. j'en ai une sur les deux qui n'est pas affichée, euh, je ne comprends pas vraiment pourquoi, euh, mais sachez que donc, la plupart des caméras sont disponibles. Voilà, donc ici, je peux appeler directement ma caméra donc c'est une petite garantie que j'avais testée il n'y a pas longtemps, alors le test n'est pas encore paru, mais c'est très correct et donc elle est compatible avec ça, donc tout ça on va pouvoir le gérer depuis les widgets euh, surveiller ce, sa maison, donc ça c'est plutôt pas mal et une autre astuce, regardez si je suis dans ma caméra et que je retourne sur la page d'accueil, j'ai euh, l'incrustation de ma caméra euh, au niveau supérieur gauche, voilà donc je vais pouvoir, et c'est en direct, hein, ça, ça bouge, hein, c'est pas une image fixe je vais pouvoir donc surveiller euh, donc, euh, mon domicile en même temps que je fais autre je reviens rapidement concernant la luminosité que je trouve vraiment bien en tout cas lorsqu'on est pile en face de l'écran. L'écran, moi je trouve bien en général pour un bon rapport qualité-prix. Par contre, si on se décale un petit peu, si on a un angle d'inclinaison de, de vision un peu trop large, euh, on perd en, en luminosité. Alors ça se voit pas forcément à l'écran, mais à l'œil nu ça se voit. Donc il faut vraiment être en face pour avoir quelque chose d'optimal. Autre nouveauté de ce produit, c'est la reconnaissance faciale euh, qu'on gère dans les profils des, des, des paramètres. On va pouvoir donc mettre plusieurs profils et lorsque une personne va passer, euh, l'écran, en fait, le contenu va, va, va s'adapter. Donc ici j'ai créé une note, je lui dis d'ajouter une note en fait pour euh, mon fils, ça crée la note, ça va me faire une petite animation euh, sympa, et donc lorsque mon fils va passer devant l'écran, il va avoir sa note qui s'affiche. Euh, alors objectivement, la reconnaissance faciale marche pas si bien que ça. J'ai fait le test avec mon fils, avec ma fille, avec moi-même et ils mélangent généralement les uns avec les autres. Euh, J'espère que ça sera corrigé dans un avenir proche. L'idée est pas mal, euh, mais pour l'instant, c'est pas vraiment au point et puis pour terminer cette possibilité d'avoir un mode portrait alors ça a des avantages notamment par exemple si vous voulez suivre une, une recette de cuisine je trouve que c'est quand même mieux dans ce sens là si vous regardez un film évidemment vous allez avoir de grosses bandes noires euh, en haut et en bas donc c'est pas fait pour mais regardez donc voilà alors c'est un petit peu long euh, des fois à changer à recharger et tout mais je trouve ça assez pratique et puis on a des, des possibilités un petit peu différentes par exemple si je vais dans la partie maison connectée euh, je vais avoir une présentation un petit peu plus euh, fournie c'est à dire que voilà je vais aller dans maison connectée regardez j'ai euh, plus de vignettes euh, sur mes produits connectés en un seul euh, coup d'œil donc ça peut avoir un avantage ça marche évidemment avec le mode cadre photo donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce produit Echo Show 15 qui me semble une bonne idée mais pas forcément très bien abouti on a une caméra seulement de 5 mégapixels ce qui est moins que sur certains Echo Show euh, de, de version précédente j'ai pas très bien compris pourquoi euh, bon c'est pas forcément très utile mais... Ça peut toujours servir. Donc voilà, donc le produit me semble pas complètement fini. Il y a des choses à améliorer. Je trouve qu'il y a encore des ralentissements dans, dans, dans certains cas. Néanmoins, ça reste quand même un produit assez sympa euh, et qui ouvre peut-être de nouvelles possibilités dans votre maison. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets également le lien du support donc que j'ai racheté, euh, que je recevrai sans doute demain. Donc il coûte quand même 30 euros, c'est pas donné. Euh, en espérant qu'il supporte parfaitement ce cadre qui est assez lourd donc 2,2 ,2 kg c'est ce que je vous disais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres produits Alexa évidemment.